le match 1 des demi-finales entre l'ASVEL en noir et les Tangos Bourges en orange. C'est parti avec le premier ballon d'interception. Voilà Pauline Assier qui vient chercher ce ballon et ouvrir le compteur point. Et Bourges qui prend à la gorge les Lyonnes sur ce premier ballon. Et Charteroux en transition qui va être nourri de nouveau. Gruda, elle adore ça. Ouais, c'est parti fort. C'est parti très fort. On le sentait dans le geste. Fiable. Biem. Elle a remise pour sa créatrice maison. La vedette. Elle qui a tant brillé contre Lyon cette saison. Pauline Assier. Le chrono. Pauline Assier qui le regarde. Elle est obligée de shooter. Elle peut tout faire, Pauline Assier. Elle aussi, elle est sur un petit nuage. La remplaçante de Julie Allemand, oh là là, c'est passé sur la fixation, la pénétration, Gabby Williams. Marqueuse des Tangos. Ça va vite de l'autre côté. Et ça va vite, très vite, trop vite pour Astier qui n'avait pas fait le repli suffisant sur le tir extérieur. Et Bourges reste devant. Pardon, l'ASVEL reste devant, mais de peu, parce que Pauline Assier est en train de prendre toutes les responsabilités. Et c'est là qu'on attend. 13 points marqués pour Pauline Assier, meilleure marqueuse. Anderson sur le premier lancé. Et c'est comme ça qu'elle brille, c'est lorsqu'elle est agressive, c'est lorsqu'elle attaque le panier, lorsqu'elle prend ses responsabilités. Et depuis très longtemps, Bourges n'avait pas mené dans cette partie, depuis ce 9-8. Sur cette attaque de Camille Williams qui ressort. Dietrich. Tire complètement ouvert à 3 points, elle peut les prendre évidemment. Et c'est une bonne lecture de la part de Sandrine Gruda. Dietrich, le banc de l'ASVEL s'est levé et elle va chuter. On en reste à 34-36, quelle première mi-temps, Mélissa. Oui, justement. Et ça repart avec Assier, ça court, oh ça galope, quelle vitesse. On l'a à peine vu, il y a un éclair qui vient de passer sur la piste du Prado. L'éclair Anderson. Ce soir de l'ASVEL. Et ça a égalisé pour l'ASVEL alors que Assier veut reprendre les commandes. Qui es-tu, Pauline Assier? Steinberger, avec l'aide du plexi, ça roule. Anderson, devant son ancienne coéquipière. Retard de moins 11, il va falloir stopper l'hémorragie et c'est fait pour Blake Dietrich. Le match parfait. Elodie Godin! Elodie Godin! Encore sur des paniers. Et qui a passé la barre des 21, son dernier record. Son record c'était 17 contre Basketland. Et elle va continuer. Elle va continuer jusqu'au bout de la soirée. Pauline Assier qui peut l'arrêter. Et le petit taquet sur Alexia Charteroux. Alerte rouge. Pauline Assier déborde. Déborde de talent. Il reste 1 minute 40. Williams. Williams, bonne passe dans le trafic. Et Gruda. Voilà les Lyonnaises qui se prépare pour le match retour. Et on en restera sur ce score de 80 à 67. Bourges s'est imposé et a marqué son territoire dans son Prado. Il faudra être très costaude pour l'ASVEL. Les championnes d'Europe s'inclinent